Il est tard à Gotham, pas assez tard pour profiter des rues enneigées au rythme des fêtes de fin d'année, mais assez tard pour que les criminels fassent leur apparition. Le jeune Robin, Tim Drake, est à bord de sa moto et s'échappe d'une situation qu'il ne contrôle plus. Il devait s'opposer à des trafiquants quand un autre gang s'est interposé, se trouvant pris entre deux feux et n'ayant plus qu'une solution, attendre des renforts. Faisant face à Robin, les criminels y vont de bon cœur pour le neutraliser. Heureusement, son costume blindé tient le coup, mais il doit se séparer de son véhicule sous peine de se faire rentrer dedans. Robin se retrouve à pied, face à des chauffeurs qui ont décidé d'aller jusqu'au bout. Il s'en sort plutôt bien et arrive à gagner du temps. Mais la situation est hors de contrôle. Il préfère rebrousser chemin. Par miracle, un passant voit le jeune prodige en détresse et décide de s'arrêter pour l'emmener au loin avec sa voiture. Robin pense qu'à une chose, s'extirper de cette situation. Après tout, ce qui l'attend ne peut pas être pire que ce qui se passe en dehors du véhicule. Et pourtant, ça va être le cas. Il est monté dans le véhicule de l'être le plus terrifiant de Gotham, qui ne perd pas de temps pour actionner un gaz soporifique et le voir s'endormir sur le siège passager. La dernière vision de Robin est le visage d'un clown le regardant froidement avec un regard malsain. Durant son sommeil, il se rappelle d'une discussion qu'il a eue avec son ami et frère Dick Grayson, le précédent Robin. Les deux jeunes hommes se demandaient qui peut bien être le Joker. Aucune donnée n'est recensée dans leur fichier. Il est mystérieux et cela intrigue fortement Tim. Le Joker a toujours été une énigme. Était-ce un comédien raté? A-t-il toujours été fou? La seule chose que l'on sait, c'est que son accident dans l'usine Ace Chemicals a marqué sa vie et a créé le monstre que l'on connaît aujourd'hui. Un monstre qui prend du plaisir à faire du mal, à voir les gens paniquer en sa présence, à scruter du regard la personne la plus effrayée autour de lui avant de rire à chaudes larmes et Dieu ait pitié de la victime. La victime aujourd'hui, c'est Tim Drake, qui se réveille attaché par bon nombre d'accessoires sur le siège passager avant de la voiture du Joker. Une ceinture faite maison. D'ailleurs, en parlant de ceinture, le Joker a pris soin de retirer la bat-ceinture de Robin et de la jeter hors du véhicule. Robin doit lutter contre les effets du gaz, mais pas évident. Il fait chaud dans la voiture et le clown fait exprès de monter la température de son siège pour le faire mijoter davantage et ainsi baisser sa concentration. Il sait qu'il ne doit pas réagir aux provocations du Joker et l'ignorer jusqu'à ce qu'une faille s'entrouvre pour lui donner une bonne leçon. À la plus grande surprise de Tim, le Joker déclare qu'une trêve doit avoir lieu. Après tout, c'est Noël, il faut oublier les conflits du passé et aller de l'avant. Il souhaite déposer Robin dans un lieu sûr afin de... Un homme est renversé. Est-ce une erreur d'inattention du Joker? Selon lui, c'est le passant qui s'est jeté sur la voiture. Il faudrait peut-être reculer pour voir comment il va. À cet instant, Robin comprend qu'il est parti pour une virée fatale. Le Joker lui réserve quelque chose d'horrible rien que pour lui. Et encore, il n'est qu'au début d'un voyage en enfer. À l'arrière du véhicule se trouvent les propriétaires de la voiture arborant un grand sourire, un sourire mortel. Le Joker accélère de plus belle, le téléphone au volant pour avertir la police qu'un fou écrase des piétons dans les rues de Gotham. Et une nouvelle victime au compteur du Joker, des gens faisant leur course de Noël qui n'auront plus la chance de retrouver leur famille. Il ne s'arrête pas, bien au contraire, et s'engouffre même sur des trottoirs peuplés de gens qui n'ont rien demandé et qui ont eu le malheur d'être sur la trajectoire d'un démon voulant réaliser un gag d'ampleur au justicier, assassiner le plus de monde possible en le forçant à regarder, puis le tuer. Robin doit à tout prix sortir du véhicule. Ne disposant plus de sa ceinture remplie de gadgets, il fouille du mieux qu'il peut à proximité de lui afin de trouver un objet lui permettant de faire la différence. Bingo ! Il trouve un jouet
une voiture en miniature appartenant sûrement au fils du défunt couple présent à l'arrière du véhicule. Ayant une petite faim suite à cette escapade bien mouvementée, le Joker s'arrête à un fast-food puis prend une commande. Il déblatère longuement sa commande, parlant à toute vitesse et ignorant son interlocuteur, qui cherche à comprendre ce qu'il lui dit. Fâché contre cette personne qui, selon lui, fait très mal son boulot, il avance jusqu'au guichet suivant pour se plaindre du service client qui est déplorable. Il réclame avoir le manager au plus vite pour se plaindre de ce désagrément et lui montrer quel est le prix de ne pas pouvoir répondre favorablement aux désirs du prince du crime. Robin essaie tant bien que mal de se défaire de ses liens avec le jouet qu'il a trouvé. Il doit se faire discret, sinon le Joker le remarquera et son calvaire ne fera que durer encore et encore. Hélas, le clown semble l'avoir vu. Du moins, il était au courant que Robin allait trouver le jouet, puisque c'est lui qui l'a déposé dans le siège pendant qu'il était endormi, afin de lui donner un léger espoir, un espoir qui vient maintenant de s'envoler. Il lui retire ensuite l'objet lui couvrant la bouche pour l'entendre le supplier d'arrêter. Robin va-t-il jouer le jeu du Joker ou alors va-t-il laisser des enfants mourir sous ses yeux ? Grâce à la chaleur ambiante, ses mains deviennent moites et ses gants commencent à glisser. Il doit gagner du temps, et vite, car le Joker, lui, en a pas. La voiture s'approche à toute vitesse d'un groupe d'enfants et Robin prend enfin la parole. Non pas pour le supplier d'arrêter, mais en citant une phrase humoristique provenant d'une comédie américaine. Le Joker a bien aimé le sang-froid de Tim. Il a ri aux éclats et a épargné les citoyens. Et oui, le clown possède une logique que peu de monde arrive à cerner. C'est au tour de Robin de le provoquer. Il sait que sa citation a fait réagir le Joker. Il cherche à gagner du temps en rentrant dans un débat avec lui concernant ce fameux show et en le contredisant sur plusieurs points, énervant le clown qui commence à s'agacer à son volant. Le Joker prend à cœur les propos de Robin et relâche sa garde. Le moment idéal pour Robin d'enlever son gant et de mettre un coup en plein dans la mâchoire du clown. Il sait qu'il n'a qu'une seule chance, il doit la saisir et ne pas la rater. Il se sert de tout ce qu'il trouve pour faire du mal au conducteur démoniaque. Il se faufile sur les sièges arrière et se défend même avec les corps sans vie des deux victimes. Se trouvant face à face, Robin fouille le manteau du Joker et récupère son gadget lui ayant permis d'assoupir le jeune héros au début de sa course folle. Le Joker sort du véhicule afin d'échapper à la fumée se trouvant à bord, oubliant par la même occasion qu'il se tient debout en plein milieu d'une autoroute et que le seul moyen d'esquiver un camion fonçant sur lui est de sauter par-dessus la voie et d'atterrir miraculeusement sur un autre véhicule en contrebas. Les deux justiciers savent pertinemment qu'ils ne retrouveront pas le corps du Joker. Batman dit à Robin qu'il est fier de lui. Leur ennemi s'est déchaîné, mais il a su garder son sang-froid pour le neutraliser. Il y a eu bon nombre de victimes cette nuit. Rien ne pourra les ramener à la vie. Mais au moins, le Joker est neutralisé et ne fera plus de mal à personne avant un bon bout de temps. Parfois, il faut se contenter des petites victoires, malgré l'horreur qu'on a subie. Le monde criminel est un monde de rapaces, un monde où c'est le plus rusé et féroce qui parvient à se hisser au sommet de l'empire criminel de Gotham. Un monde de rapaces, oui, mais aussi de pingouins. Et ce dernier est plutôt mécontent car un nouvel arrivant dans la ville commence à empiéter sur son territoire et à devenir une potentielle menace pour son business. Une solution s'offre tout de même à lui. Un ami d'un ami lui conseilla les services d'un homme. Un homme sans nom, vêtu de blanc, à l'allure peu chaleureuse. Un homme mystérieux conduisant un van tout aussi mystérieux que lui. Contre une poignée de billets, le pingouin lui a demandé d'éliminer la concurrence. Et cela va arriver plus vite que prévu. L'homme en blanc attend sa cible non loin de chez lui, le rival du pingouin, qui prend un peu trop à la légère l'homme qui lui fait face.
Après avoir attiré son attention vers l'arrière du van, l'homme d'affaires s'y dirige en ignorant les conseils de sa partenaire qui semble être la seule ayant l'esprit suffisamment lucide pour comprendre que quelque chose de louche se trame. Et il aurait dû effectivement accorder plus d'attention à sa femme. Horrifié devant ce qu'il se trouve dans ce coffre, l'homme est tétanisé. Il pousse un hurlement qui alarme son garde du corps et tous deux sont pris d'une panique inégalable. Qu'est-ce qui peut bien se trouver à l'intérieur de ce van? Les deux hommes vont avoir leur réponse puisqu'ils y sont poussés par l'homme vêtu de blanc qui referme les portes du van derrière eux. Ce sera la dernière fois que la femme de l'homme d'affaires l'ait vue en vie. Le pingouin est plutôt ravi de son nouvel homme de main. Il est très efficace et a rectifié les problèmes de concurrence. Sauf que d'autres problèmes vont suivre. L'homme en blanc a décidé de continuer son activité au détriment de l'activité du pingouin dont les habituels clients ne se présentent plus dans son établissement à cause de la terrifiante présence se trouvant aux abords de l'Iceberg Lounge. L'empire du pingouin est lui aussi en train de chuter. Tout ça à cause d'un homme étrange agissant de son propre chef. Tout son empire qui avait mis du temps à se construire ne pouvait pas disparaître ainsi. Une seule solution s'offre à lui, un homme qui est réputé pour n'avoir peur de rien et qui répond présent sans hésiter lorsqu'on l'appelle. Batman est surpris que ce soit l'un de ses pires ennemis qui l'appelle et se demande quelle est la manigance derrière. Toutefois, il comprend bien assez vite de par l'agitation du pingouin que quelque chose ne tourne pas rond. Le pingouin lui raconte en détail ce qui lui est arrivé. Batman ne peut pas laisser une personne aussi inquiétante agir librement dans les rues de sa ville et décide d'intervenir. Il attend patiemment que le pingouin se rende à son domicile pour pouvoir surprendre l'homme en blanc. Et comme à l'accoutumée, il surgit de nulle part en ne faisant aucun bruit. C'est le moment idéal pour arrêter cet étrange individu. Batman a tout de même sous-estimé les capacités physiques de son adversaire qui ne se laisse pas faire pour autant. L'homme en blanc enchaîne les coups sur le justicier et au même moment, les portes du coffre du van s'ouvrent d'elles-mêmes. Le pingouin prie pour que le chevalier noir mette enfin un terme à leur ennemi en commun car s'il n'y parvient pas, il n'ose pas imaginer ce qui l'attend ensuite. Il souhaite aider le justicier, mais son corps en décide autrement. Il est paralysé par la peur et n'ose pas regarder le déroulement du combat. Un combat qui prend un autre tournant quand Batman est contraint de regarder ce qui se trouve à l'intérieur du van. Le justicier est pendant un temps choqué par ce qu'il voit, mais finalement, ça n'a pas l'air de marcher sur lui. Bien au contraire. Il a comme une poussée d'adrénaline lui permettant de repousser son assaillant et de le tabasser lourdement. Si le contenu du van est censé représenter ce qui nous effraie le plus, il est logique que cela n'a aucun effet sur Batman. Pourquoi? Car il a déjà vu toutes les horreurs possibles et inimaginables. Il a forgé son identité sur la peur et sur son traumatisme d'enfance. Un homme ne peut pas avoir peur de ceux qu'il a créés. L'homme en blanc est vaincu, les affaires du pingouin reprennent et l'individu est conduit à l'asile d'Arkham. Depuis sa première apparition, il ne dit aucun mot. Batman a même un mauvais pressentiment concernant ses victimes. Il craint qu'il ne pourra jamais retrouver leurs traces. Avant de quitter l'asile, Jim Gordon demande à Batman quelle diablerie se cache à l'arrière de ce van énigmatique. Ce à quoi le justicier lui répond: si j'étais vous, je ne m'y approcherais pas. Et surtout, je ne regarderai jamais à l'intérieur. Lors d'une belle nuit d'Halloween, un petit homme portant un haut de forme et des grands souliers s'arrête à un endroit particulier. Il a été invité à se rendre seul dans un lieu particulièrement sordide, l'ancien centre Arkham de détention de mineurs. L'expéditeur de la lettre n'est autre que le pingouin et le destinataire, le chapelier fou. Le pingouin a soi-disant un boulot intéressant à proposer au chapelier, mais l'endroit dans lequel il lui a donné rendez-vous est troublant.
il s'agit d'un lieu traumatisant pour le chapelier car, étant enfant, Jervis Tetch y a été emmené pour guérir le jeune homme de plusieurs troubles mentaux. Des souvenirs douloureux qui se réveillent et qui ne font pas plaisanter le chapelier, qui lui se balade de couloir en couloir à la recherche de son ami Dodu. En ouvrant une porte, il tombe sur son ancienne chambre, la chambre dont il a passé une partie de son enfance et qui a gardé entre ses murs les débuts d'une folie naissante. Son obsession pour le roman d'Alice au Pays des Merveilles. Le chapelier fou n'apprécie guère que l'on lui rappelle cela et menace à haute voix l'homme qui l'a conduit vers cet endroit. Tout un coup, un rire retentit dans le couloir. Le pingouin surgit en demandant à Jervis de se calmer. Ce dernier répond à l'invitation et a un peu de retard, mais ce n'est pas une raison de s'énerver. Les deux hommes se rendent rapidement compte qu'une personne s'est jouée d'eux. Quelqu'un les a fait venir à leur insu dans cet endroit. Mais qui ? L'orage gronde, une silhouette bien connue se trouve dans le hall d'entrée. L'épouvantail se dresse devant eux, immobile, et les regarde froidement. Il leur demande d'une voix calme pourquoi ils sont si remontés. Le vrai épouvantail est assis un peu plus loin et déclare lui aussi qu'il a été invité à se rendre ici car selon sa lettre, le pingouin et le chapelier fou avaient besoin de son expertise. Les trois vilains se demandent qui a bien pu les réunir et surtout pourquoi. En voulant sortir de la demeure, l'orage est violent. Des chauves-souris ayant pris refuge dans cette habitation abandonnée volent par-dessus eux et le pingouin leur conseille de se réfugier tout de suite à l'intérieur. Ils sont tous trois confus. Est-ce volontaire de la part de leur ennemi commun de leur faire une telle frayeur ? Pour le pingouin, il ne fait aucun doute que le chevalet noir rôde dans les parages. Il demande à ses collègues de garder leur calme, de ne pas se séparer et de rester ensemble à l'intérieur. Mais sont-ils vraiment à l'abri sous ce toit ? Le lustre du hall fait un bruit strident avant de s'éclater sur le sol où se trouvaient les trois vilains. Ils sont désordonnés et ne comprennent pas comment est-ce possible qu'il ait pu trafiquer ce genre de choses. Ils savent pourtant qu'il est capable de tout et commencent à énumérer tout ce qu'ils détestent chez lui. Ses entrées fracassantes, ses batarangs et même tous ses gadgets de manière générale. Et surtout, sa voix rauque et son silence. Ils savent que tout son attirail sert à effrayer les malfrats comme eux. Il est dehors et il les attend. Ils doivent juste patienter, rester calmes et surtout, ils sont sous tension. Le moindre bruit les inquiète. Ils doivent vraiment trouver une solution au plus vite. Connaissant les lieux, ils adoptent leur stratégie pour s'enfuir de ce lieu. Ils doivent le contourner. Le justicier est dehors, c'est sûr. Sinon, il leur serait déjà tombé dessus. À l'avant du manoir, ce n'est pas envisageable. Par contre, à l'arrière, se trouve une sorte de labyrinthe. Un endroit où personne aura l'avantage. Ils se suivent l'un l'autre vers l'arrière du manoir. L'endroit est peu lumineux et on y trouve de nombreux objets appartenant aux personnes vivant ici autrefois. Des enfants, principalement. Ils activent sans faire exprès un jouet laissé à terre et une comptine commence à résonner dans les environs. C'est la comptine des trois souris aveugles. Trois souris aveugles se rendant dans un labyrinthe et qui courent, courent, courent encore et encore. Dans n'importe quelle direction. Ils chutent, se prennent des murs, se cognent, mais n'arrêtent pas de courir pour tenter de trouver une sortie. Ils courent, courent, courent. Et soudain, se dresse devant eux une forme qu'ils ont tant l'habitude de voir. Une forme qu'ils redoutent par-dessus tout. Une forme démoniaque. Ils font en fait face à un terrifiant épouvantail à l'effigie de la chauve-souris. Ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir l'avantage même à l'extérieur. C'est bien trop dangereux pour eux. Le justicier nocturne se joue d'eux. Ils doivent à tout prix rentrer dans le manoir avant qu'il ne leur arrive malheur. Le jouet est brisé et la comptine s'arrête. Ils sont de nouveau dans le hall, terrifiés. Et beaucoup moins serein qu'avant. Ils se rejettent la faute l'un sur l'autre et commencent à tous se provoquer.
oubliant qu'il y a des similitudes dans leurs passés respectifs et qu'ils sont loin d'être différents. Des âmes égarées qui ont connu des atrocités étant plus jeunes et qui ont décidé de le faire payer à d'autres personnes une fois adultes. Les esprits s'échauffent et durant leur dispute, un sifflement les préoccupe. Un gaz commence à envahir le hall et les trois vilains commencent peu à peu à perdre raison. Ce n'est pas un gaz comme un autre, c'est un gaz qui réveille leur pire cauchemar, sûrement le gaz de terreur de l'épouvantail. Tous trois se retrouvent dans un endroit familier, des endroits qui les ont marqués à vie et qui font partie de leur identité. Le chapelier fou fait face à sa propre folie lorsqu'il était jeune. Ses complexes d'infériorité et le peu d'attention que les gens lui accordent prédominent. Il voit au loin Alice, la fille qu'il a toujours aimée étant enfant, s'approchant de lui, bras tendus, pour un tendre câlin. Néanmoins, tout ceci n'est qu'une illusion. Et la dure réalité frappe le chapelier fou lorsqu'il tombe des escaliers. Le pingouin, lui, est en plein rêve, prisonnier d'une boule à neige en verre qu'il avait offert à sa mère étant plus jeune. Il la voit arriver, la seule personne qui compte pour lui et qu'il l'a jamais aimée. Mais était-ce sincère ? Sa mère lui dit qu'elle ne l'a jamais autant aimé que ses frères ou son père. Il faisait juste pitié et elle faisait semblant de l'aimer car il n'y avait qu'elle qui pouvait le faire et le supporter. Le verre de la boule de neige se brise et le pingouin tente de s'échapper de ce mauvais rêve dont il souhaite effacer tous les souvenirs. Il tombe et avec fracas rejoint le chapelier au pied des escaliers. L'épouvantail se trouve en compagnie de son père qui est en train d'approfondir ses recherches au niveau de la peur. Il cherche des sujets pour expérimenter ses idées et pas besoin de chercher pour trouver son cobaye, il l'a sous la main. Son fils Jonathan. C'est d'ailleurs bien plus que pour les recherches scientifiques qu'il l'a choisi. Il lui en veut personnellement pour la mort de sa femme et ne supporte pas le fait qu'elle l'ait abandonné avec lui. L'épouvantail est soumis à des tests sur la solitude profonde. Il est immobile et se sent en apesanteur. Il est en fin de compte en train de chuter de l'étage et se retrouve lui aussi dans le hall. Le réveil est dur, ils se remettent péniblement de leurs émotions et réalisent petit à petit ce qu'il vient de leur arriver. Cependant, la nuit touche à sa fin. La lumière du jour pénètre dans le bâtiment, dégageant les ténèbres qui s'étaient accaparées les lieux. Ils sortent du manoir d'un pas hésitant et, une fois à l'extérieur, se séparent en se faisant la promesse que jamais, au grand jamais, ils ne reparleront de la nuit qu'ils viennent de vivre. Les rideaux sont levés dans la chambre du milliardaire Bruce Wayne. Il a passé une nuit formidable et a dormi comme un loir. Alfred lui raconte que ça faisait longtemps qu'une nuit d'Halloween n'avait été aussi calme. Bruce lui répond que parfois, il vaut mieux laisser les criminels faire face à leurs propres fantômes du passé. En tout cas, lui, il s'est bien reposé et en a même profité pour lire et envoyer quelques lettres. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous mets en description deux autres vidéos que j'ai réalisées l'année dernière pouvant vous donner quelques frissons. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans très peu de temps pour une nouvelle vidéo qui a été très demandée depuis des mois et des mois. Allez sur ce, bonne soirée à vous. Ciao.